Hey yo, what's up tout le monde, ici WooloTNT, on se retrouve aujourd'hui sur du Shadowman et petite vidéo tout de suite, ça commence bien. Ok, j'ai deux morceaux de l'éclipseur. Super, bravo Mike. Mais il me faut les trois morceaux pour activer le vaudou de l'éclipseur. Va me chercher le dernier morceau. L'autre direct en mode vas-y, va chercher le dernier morceau. Par contre là on peut vachement bien voir les tatouages du gars du toucher, il me semble. Hop, du coup. On part directement à nouvelle zone 2. On va partir tout de suite. On voit que j'ai toujours testé. Pas toujours testé, toujours laissé. Toujours testé le pack de textures. On va dire ça comme ça. Eh merde, ça commence bien. Pardon, excusez-moi. Trois balles, t'es mort. Compris. C'est vrai que j'étais monté à 5, j'ai complètement zappé, je suis désolé. Du coup on va se dépêcher d'aller dans les deux nouveaux endroits qu'on avait découverts dans l'épisode précédent. Hop. Donc là on y go tranquille. Hop, bonjour. Hop hop hop, on y court, on y court. Toi tu meurs. Sans aucun respect. Donc là c'est 6. J'ai eu le petit trou. Là-bas c'était le gars du... Oups, là-bas c'était le gars du toucher j'allais dire. Et du coup, il y a un petit endroit juste ici à gauche. Et un petit peu plus loin. Donc on va d'abord aller sur celui-là. Il me semble qu'il y a pas mal d'équipements à récupérer. Et des petits nounours aussi. Des points de téléport. Ça nous aidera pour la suite. Ouais, ça nous aidera pour la suite, oui, largement même. Parce qu'en fait, dans... Je crois qu'il me semble qu'il est ici, dans cet endroit-là, en fait. On va devoir y retourner plus tard. Comme vous voyez aussi, j'ai augmenté un petit peu le gamma. Ça commence bien. Bon, là, il faut le marteau. Bon, comme d'habitude, on va se trimballer avec le petit pistolet. Désolé, déjà, je commence bien. Je fais un petit fail. Normal. Ouh, putain. Pardon. Ouh, c'est bon. Hop, voilà. Donc là, il faudra le flambeau qu'on récupérera plus tard. Pas d'inquiétude pour ça. Je suis vraiment obligé de tomber dans le trou. Oh oui. Deux balles. L'autre, il traverse le mur. Du moins, il traverse le mur. Il disparaît dans le mur, plutôt. Donc à 5, deux balles. Ça va. Ah, excusez-moi, il y a le chat qui monte sur le clavier à côté de moi. Du coup, mon bonhomme fait n'importe quoi. Ça change quand même beaucoup, même niveau apparence. Vous verrez après quand j'aurai tous les gads. Parce que ça s'appelle comme ça. Hein. Gad du toucher, gad du marché, gad du... Il me semble qu'il faut sauter par-dessus, si je dis pas de bêtises. Bon, ça c'est fait encore. Ah oui. Hop. Non, je dis hop. Non, je dis hop. Mets-toi de monter. Merci, Mike. Faut au moins quelque chose de sensé, bazar. Bordel de chcrognogneux. Allez. Bon, rentrez d'abord par là. Je sais plus ce qu'il y a ici. Ah, bonjour cochon. Compris. Ça c'est plaisir ça.
Putain, le train il m'a fait peur. Le train m'a fait sursauter. Ah, bonjour. Donc 4 balles pour éliminer un cochon, on peut dire ça comme ça. Alors, on va ramasser tout ça. Hop. Donc là en fait on va aller il me semble au niveau du générateur, si je dis pas de bêtises. Mais je crois que je dis des bêtises. Je suis pas sûr. Donc là on voit qu'il y a une sorte de station, on peut dire ça. Et que ça va droit vers l'asile. Malheureusement. Là c'est le chemin pour sortir. J'ai l'impression que le train il est vieux. Voilà. Je suis obligé de les tuer parce que sinon ils vont me déranger sur le chemin. Voilà, toi tu meurs. Bon, je suis à 90. À 100, je me TP'rai. Je sais pas si ça se dit. Si. Je me téléporterai. Voilà, c'est peut-être mieux. Là, il me faut ceci. Hop, je me téléporterai au... Mais on vient de l'entendre ça. Il y a un souci là, il y a un bug. Oh les cochons. Il y avait un petit bug, vous êtes bien d'accord avec moi là. Donc là par contre, ah voilà, le petit nounours. Je vais essayer d'économiser surtout le bâton. Parce que le bâton va nous servir en fait plus tard. Comme on voit, il y a quand même pas mal de chemins, pas mal de possibilités en fait. Ici, on va d'abord descendre et récupérer quelques âmes noires, il me semble, toujours. Par contre, faut faire gaffe, il y a une tronçonneuse. Voilà, il y en a un autre. Ah là, il y a un Govi. Toi, par contre, toi, je t'avais pas vu, toi. Attends toi, t'inquiète, j'arrive. Aïe, 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 je vais me faire tuer. Oh, je suis désolé, là, il y a un petit drop de FPS. Je suis descendu à 10 FPS, j'ai pas compris. Toi par contre meurs. Ah mais lui il est juste entre les deux en fait. Voilà. Bon là normalement il devrait y avoir de la vie. Là il y a encore des zombards. Ou j'appelle ça des zombards. Je préfère appeler ça des zombards parce que ça ressemble pas vraiment à des grands macabées hein. Là il y en avait que deux hein. Ouais c'est bon. Hop. On va récupérer ceci. Ah, la porte est fermée. Ah, je peux monter quand même. Donc là, par contre, il y a encore du monde. Tronçonneuse derrière moi. Sur la tronçonneuse, je crois qu'ils sont un tout petit peu plus résistants, hein, mais c'est pas sûr. Hop, donc voilà. Et là, normalement, je peux faire ça. Donc là, comme vous voyez, c'est encore la merde.
quoi ce nom? Putain, mais meurs! Voilà. Excusez-moi, j'avais juste envie de le tuer comme ça, lui. Par contre, lui, il m'a fait super mal, lui. Très bien. Hop, bon. Excusez-moi, je me grattais un petit chouïa à l'oreille. C'est bon, je suis reparti. Allez. Là, on va ranger ça. Là, il me semble... Hop. Parce que il me semble qu'il en faut 48 et on en a 25. Donc ouais, il en faut 48 pour passer au prochain niveau. Donc on voit que quand même là ça augmente beaucoup. Hein. On voit qu'au niveau des âmes noires c'est plus comme au début. Ah, c'est bon. Donc là on voit qu'il y a quand même du monde. Hein. Pas sûr qu'on puisse les toucher là. Et l'ouvre-toi, toi. Hop, merci. Bon, là, du coup, on va remonter. On est juste venu récupérer en fait une âme noire. Parce que la deuxième, je la ferai peut-être pas en off. Ou peut-être que je commencerai le prochain épisode là-bas. Au niveau de la deuxième. Donc, elle est beaucoup plus galère en fait à attraper. Donc là, il me semble que je vais pouvoir aller par là. Si je dis pas de bêtises. Donc là en fait on a deux techniques pour passer, soit comme je fais moi mais c'est un petit peu plus risqué, soit on s'accroche sur le bord et on avance. Donc là faut le gâte du marché. Je regardais, excusez-moi. Voilà, merci. Hop, le gâte du toucher toujours. Où est-ce que je m'en vais là? Ah ouais, il y a une autre âme noire. Hop, hop. Oui, ça c'était une technique que si tu l'avais pas, t'étais mal. La technique de je me baisse pour éviter que le truc me pousse. Parce que sinon le bordel te poussait vraiment... Te pousser en fait, te pousser vraiment. Et du coup, je suis tombé comme une vieille chaussette. Je peux faire autre chose, toi, pour te tuer, toi. T'inquiète, j'arrive. Ah ah ah. Pardon. Donc là, on voit qu'il faudra prendre une autre entrée pour y arriver. Donc je vais faire un truc très simple, je vais me TP à couloir des cellules, c'était ça. Hop, donc je vais me TP là en fait, du coup je vais tout simplement sortir et prendre l'ascenseur qui est juste en face normalement. Voilà, pas l'ascenseur, le petit train qui est juste en face. Du coup on en a à 27, si... ouais c'est ça, on en a à 27, si on était à 25 avant de récupérer la première. Par contre, j'ai pas compris, du coup, la deuxième, elle a mis du temps à s'ouvrir. Peut-être parce que j'étais dedans et que le monstre aussi. Peut-être. Bon. Du coup, chargement de l'infini. Et normalement, il me semble qu'on va arriver dans le générateur, c'est ça. Je
Je m'en doutais. Donc là, on va dire que c'est un peu un endroit assez glauque, on peut dire ça. Et on va voir le petit... Attends, c'est Mike et Luke. Ça, on peut rien faire avec le dessin? Non, on peut rien faire. Les petits trains. La musique, là, je préviens, la musique, j'aime pas. Encore une petite cinématique. Même mon homme il était comme ça avec les bras en l'air. Bon, voilà. Déjà, on a le petit nounours. Déjà de une. Là, je vais d'abord descendre parce que sinon on va se partir là-dessus. Parce que là, on va découvrir de nouveaux ennemis. Les chirurgiens, ils s'appellent. Ils sont surnommés les chirurgiens. Et ils ont en fait un violator. Donc, c'est une arme qu'on aura plus tard. Alors, il faut combien à eux pour mourir? 4. 5. Donc, eux, il leur faut 5 pour en tuer un. 5 tirs chargés à max. Hein, bien sûr. Ça fait plaisir, ça. Ça fait le café, ça fait le bonheur. Là, il me semble qu'il y a rien. Ah, si, il y a un petit chemin. Une cachette secrète. Tu es en train de réfléchir, excusez-moi. Une cachette secrète. Du coup, on va remonter, on va passer le fil. Hop. Voilà. Par contre, du coup, le pack de textures, les murs, je les trouve un peu bizarres. Mais par contre, le Mike ou Shadowman, je trouve super, super bien fait, mine de rien. Malgré que la qualité soit toujours un peu moche. Mais il est toujours super bien fait pour le masque des ombres tricoté avec ses côtes, en fait. Surtout pour ça que je trouve super bien fait. Celui-là, tu vois bien les côtes, en fait, de Mike. Il y a un semblant de porte là. Bizarre ça. Là, il me semble qu'il y en a un juste derrière. Voilà. J'ai oublié de faire l'esquive de côté. Je suis désolé. La manure, elle meurt, c'est bizarre. Ok. Regardez, il y en a un juste derrière. Par contre, il a rien compris du tout. Il y en avait certains un juste derrière la porte, mais il a rien compris du tout. Il a mangé tellement cher. Du coup, là, il nous faut ceci. Et en fait, là, vous voyez, hop, faut augmenter le truc en fait jusqu'à fond pour surchauffer le générateur, tout simplement, et arrêter le mouvement là. Je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais j'appelle ça le mouvement. Hop. Donc, encore un. Hop. Et toi aussi. Tac. Allez, pleine puissance. Et là, écoutez. Voilà. On entend que le générateur s'éteint. Et on n'entend plus le bruit aussi. Et quand on va regarder ici. On voit que ceci est arrêté. Je crois qu'il y a un chemin, du coup on va faire... Je vais vous montrer aussi un peu le décor là qu'il y a ici. Je sais pas si ça fait quelque chose.
Ouais, une grosse hélice. Mais je sais pas si ici en fait on pourrait y aller plus tard ou quoi. Mais il me semble pas. C'est juste du décor. Donc sur ce, on va se taper. Oups. On va se taper juste. Bloc de machine, voilà. Donc c'était un générateur, hein, tout simplement. Il me semble qu'il n'y a plus rien. Donc on va se re-taper ici. On va faire le chemin retour en 2-2. Deux temps en trois mouvements, comme on dit. Hein. Hop. Bonjour. Je voudrais encore utiliser ça, merci. Clic, clac. Je crois que... En fait, je crois que je suis pas sûr, mais je crois qu'en fait, il y a un bug dans la programmation du train. Et que normalement, ça devrait être des bruits de train. Pas Mike, pas Luke qui est en train de crier, quoi. Oups. Voilà, j'ai déjà ramassé les cadeaux, là. Ouais, c'est bon. J'ai traversé ma main pour le tuer. C'est salaud ça quand même. Du coup, hop, on trace. Voilà, on ouvre ça. Là, je me méfie toujours un peu quand même sur les chemins comme ça. Parce qu'on sait jamais ce qu'il peut y avoir. Tout simplement. Bon, du coup, ici il y a plein de trucs avec du flambeau à choper. Donc, ça c'est important, on va retenir ceci. On va aller dans l'autre endroit. Et je pense que ce sera l'heure de se laisser, ouais. Ce sera largement l'heure de se laisser, même. Hop. Ah, d'accord, mec, vas-y, tire, je t'en prie. Hop hop hop. Donc là on passe la porte qu'on a ouverte dans l'épisode précédent. Ici on avait récupéré la lune. Non, le soleil, excusez-moi. Chaque fois je dis la lune. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois je dis la lune. Hop. Donc là, on passe ici. Là, faut 6. Donc dans quand même pas mal. Dans beaucoup de temps, mine de rien. Et là on va aller dans un endroit que je vais détester. Et qui se passera dans le prochain épisode. Surtout. Mais n'empêche que je vais quand même détester l'épisode. Tout simplement. Parce que je sais pas si vous vous souvenez l'épisode. La cinématique de l'épisode précédent. Hop hop, excusez-moi. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de l'épisode précédent, mais j'avais dit que j'aimais pas du tout. Hop là, ce passage. Vous allez comprendre pourquoi. Il me semble qu'il faut que j'ouvre ceci là. Déjà dans l'eau, il y a plein de monstres. C'est génial. Bon bref, sur ce mes amis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aimer, etc. 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 Et je vous dis à la prochaine. Allez, gros bisous, bisous.